Moi aussi. Je vous ai déjà dit que... Pour moi, le piano, et pour plein de gens, ça devrait être pour tout le monde. La musique... C'est comme parler. Alors je parle. Et des fois, il y a des moments dans notre vie. Bah alors là, le piano, je peux vous dire que... Ça devient une extension de soi-même, hein. Il y a des gens qui croient en l'âme, pourquoi pas. Il y a même des gens qui croient en Dieu, rendez-vous compte. Merde, si vous êtes croyant, j'ai dit une connerie, je m'en fous. Faut être libre. Qu'en pensez-vous de ceci? Qu'en pensez-vous? Et si la liberté était beaucoup plus simple à obtenir qu'on le pense? Et si on ne devait pas l'obtenir? Après tout, ne suis-je pas libre de faire de majeur? Ma foi, il me semble que si. Ne suis-je pas libre d'allumer une cigarette? Ma foi, il me semble que si. Ne suis-je pas libre sans arrêt? Vous savez, quand on parle de malheur, pas de Gustave Malheur, hein, de malheur quand ça va pas bien, comme on dit. On a tendance à penser qu'on va jouer dans le grave. Comme ça. Ou plus. Ça, c'est de la rage, mais c'est pas du désespoir. Le vrai désespoir, il est là. Ça. Vous savez, il y a beaucoup de musiques différentes, ça vous, je vous apprends rien. Il y a des gens, ils font ça. Ça leur fait du bien de faire ça. Et là, il y a beaucoup plus de malheur, toujours pas de Gustave, que là. Là, c'est autre chose. Là, c'est un puits, les gars. Les meufs. Les six, je m'en fous. D'improviser, figurez. Il faut persévérer toujours. Il faut toujours croire en l'amour. Il faut toujours croire en la tolérance, en la bienveillance et en la joie. Car comme disait Victor Hugo, et Victor Hugo, croyez-moi, c'était pas un con, ça je peux vous le dire. Victor Hugo, le mec, il morfle toute sa vie. T'as toute sa famille là qui décède, c'est le bordel. La France, c'est le bordel. Personne suit ses convictions. Et le mec, il écrit quoi? Il écrit quoi après tout ça? Il écrit « Le bien germe en toute heure et la joie en tout lieu ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, ça? Le mec,
mec, il a morflé toute sa vie. Regardez Beethoven. On parlait de Beethoven l'autre fois. Reparlons de Beethoven. Le mec, il fait quand même... Voilà, je joue en mineur. L'hymne, l'ode à la joie. C'est pas une hymne, hein, c'est une ode à la joie. Et ce qu'ils disent, hein, c'est un poème qu'il a adapté. Et il dit quoi, le mec? Il dit, on est tous frères, il commence comme ça. Freud, non, je sais plus comment il commence. Liberté, fraternité, c'est comme ça qu'il commence Beethoven. Alors que le mec, il a morflé toute sa vie. Il est mort, on lui jetait des cailloux dessus. Bon, après, il a eu un grand enterrement. Mais ce qui est important, c'est que le mec, il a morflé toute sa vie. Tout le monde le détestait et pourtant, il écrit toujours sur l'amour, la joie, la tolérance. Et on peut prendre aussi l'exemple de René Char. René Char, résistant, le mec il assiste à tous les pires trucs, les plus sombres que tu puisses avoir. Et pourtant René Char, il va parler de joie, il va parler de tolérance, alors qu'il y a des nazis qui sont juste à côté en train d'abattre ses camarades, parce qu'il était résistant. Intéressez-vous à René Char, intéressez-vous à ce que vous voulez. Accordez-vous du temps pour vos passions. Si vous en avez pas, trouvez-en une, il y en a forcément une qui traîne, vous aimez forcément faire un truc. Si c'est cuisiner, cuisinez. Si c'est promener, promenez-vous. Si c'est faire la randonnée, faites de la randonnée. Et si c'est faire du ré mineur, faites du ré mineur. Par exemple. Accordez-vous les erreurs, accordez-vous tout, accordez-vous la vie, accordez-vous votre cœur qui bat. Il fait pas ça pour rien, hein. Donnez-lui une raison. Je suis sûr que vous en avez déjà plein. Et l'amour, c'est la plus belle des raisons, à mon avis. Mais l'amour de tout, je vous parle pas de l'amour, de l'amoureux, de sexualité. Je vous parle d'amour, de bienveillance. On me dira, mais c'est quoi ce con, ce naïf, ce mec qui croit... C'est un hippie, c'est qui se met une fleur dans les cheveux et qui se taise. Non, non, je suis pas utopiste non plus. Et je pense qu'il faut s'accorder le droit à croire au bonheur et à la joie d'être vivant. Méditez un peu là-dessus. Cut.